Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes, tout dépendamment de qui l'est et qui écoute, n'a pas gardé et recevoir trans information ça. Sous Chanel, Maman Pimba, Mesak News, une chaîne qui l'a pour informer, ou quel que soit côté où y est, nous allons chercher information pour te baou dans bon timamite. Eh bien, selon sa Radio Canada fait qu'on est, et jeudi 27 octobre 2021, objectif États-Unis, c'est créer toute stratégie et responsabiliser pays Canada pour diriger force militaire qui doit entrer et pour aider Haïti. Restez connecté, n'a vini avec plus de détails pour vous. États-Unis et papa dit espoir, y aurait été confiant et déterminé pour joindre un pays qui pour prend tête troupe militaire qui doit venir aider Haïti. Donc restez connecté mesdames et messieurs, c'est pour la première fois que États-Unis prend et présenté une résolution et puis États-Unis peut voyer ou du moins pas voulez voyer et soldats li dans un pays d'Haïti. Restez connectés mesdames et messieurs, n'a vini avec plus de détails pour en dedans tranche émission ça gagné Isaïe César donc qui après te fin recevoir sommation nan main fugitif Joseph Félix Badiou pour faux accusation li ta fait connait Isaïe César beaucoup te parle sommé Badiou côté l'idil seul Jean pour li by suite à demande l'IA ceci li tapote tête li by DCPJ. Restez connecté mesdames et messieurs, n'a vini avec plus de détails pour en dedans trans émission si là pas oublier que au ce moment ben bah mais Sac News une chaîne qui toujours prêt toujours présent quel que soit côté information ayé nous pour aller chercher le côté baou dans bon timamite c'est pour ça relé nous mettre béton yo relé nous mettre info après tourner après pause. Parler de tous les problèmes culturels, sociaux, économiques et politiques, le rendez-vous est unique. Tous les jours, Mesak News. Mesak News, la chaîne qui vous informe en temps réel. Abonnez-vous. Bonjour, bonsoir à la famille, tout dépendamment de qui l'a écouté, n'a pas gardé et recevra tranche information ça, sous Chanel, Maman Pimba, Mesak News, une chaîne qui l'a pour informer, quel que soit côté information aille. Soit à peine tombé sur Chanel ça, n'a pas demandé pour garder en bas vidéo, un petit bouton qui marque s'abonner si téléphone en français et puis subscribe si li en anglais, pas oublier, peser petit cloche notification, hein. C'est celle façon ou capable recevoir yon notification à chaque vidéo nous poster. Et pas oublier by vidéo ça yon like bout chargé pas campé selon ça Radio Canada fait qu'on est eh bien jeudi 27 octobre 2021 objectif États-Unis c'est créer toute stratégie et responsabiliser pays Canada pour diriger force militaire qui doit entrer pour aider Haïti. Eh bien c'est pour raison si là même visite de jour secrétaire état américain Anthony Blinken dans pays Canada. J'aime te dire nous Anthony Blinken te gain yon visite la fait dans pays Canada pendant deux jours et jeudi avec demain vendredi a yon façon pour yon capable parler sous question insécurité et cavaler terrain ici dans pays d'Haïti. Eh bien mesdames et messieurs dossier pays d'Haïti a c'est un paquet de pays qui pas voulait voyer troupes qui pas entendre pour voyer troupes dans pays d'Haïti et y compris pays les États-Unis qui lui-même avec Mexique qui était présenté by Conseil sécurité Nations Unies une résolution et bien résolution ça la donne qui était gagné deux branches et côté était gagné sanctions et pour gangue avec tout le monde cap et sponsorisé ou bien financé et yon troupe militaire yon troupe robuste yon façon pour aider pays d'Haïti combattre insécurité et aider Haïti combattre problème quelques problèmes humanitaires dans pays d'Haïti. États-Unis pas perdu espoir, y aurait été confiant et déterminé pour joindre yon pays qui pour prendre tête troupe militaire qui doit venir aider Haïti et ça doit fait dans commencement mois novembre selon source Miami Herald, yon délégation pays Canada a gagné pour rentrer Haïti pour chita parler à acteurs sous crise si là. Donc mesdames et messieurs, comme nous connaît et pays d'Haïti et malgré nous indépendants mais et mentalement nous c'est un pays qui toujours en esclavage parce que toute décision qui doit prendre c'est tonton Sam ou du moins l'autre pays pour y sortir. En tout cas mesdames et messieurs, il est le temps pour nous responsabiliser tête nous
pour nous prendre décision nous en tant que pays, en tant que grand monde. Après le fin recevoir sommation dans main fugitive Joseph Félix Badiou pour faux accusation li ta fait contre lui, Isaïe César bon côté parle soumet Badiou côté li dit seul Jean pour li bail suite à demande l'IA. Ceci li pote tête li bay de CPJ ou bien juge instruction qui sous dossier assassinat président Jovenel Moïse là mesdames et messieurs. Et bam fait nous tendre et audio ça avec journaliste Luxon Saint-Ville qui c'est journaliste radio Caraïbe FM la bande d'ap di nous plus concernant dossier États-Unis qui tourne chien fou dans tout monde dans la ap chercher monde chercher pays pour prendre tête troupe qui t'a dû venir dans pays d'Haïti. Bonne audition. Ou pas t'a dit c'est un papa qui fin fait un petit cap chercher un autre garçon qui pour occuper dans place li. Après plusieurs jours li fin proposer résolution devant Conseil sécurité a États-Unis a cherché couche fou un pays qui pour prendre tête force intervention militaire internationale qui doit débarquer en Haïti rapide pour aller résoudre problème sécurité et humanitaire qui est sous terre. Américains ont voulu force ça déployer en Niger pour aider la police nationale à combattre gang yo qui gagne contrôle principal port et route important yo et puis aggraver crise économique, politique et humanitaire en Haïti depuis plusieurs années. Pour capable joindre un pays qui prend tête force multinationale ça, États-Unis prend bâton pèlerin pour aller chercher joindre l'état qui d'accord pour t'échaer ça sous dol. Dans ce sens, secrétaire d'État américain Anthony Blinken, dans tête collée avec assistant secrétaire d'État adjoint pour affaires hémisphériques la Brian Nichols, démarré une série de marches pour faire résolution yo te proposé à vignon réalité. D'après ça, Brian Nichols fait connaître hier mercredi, force multinationale ça États-Unis prévoit ta doué gen la donne principalement policiers avec tout quelques éléments militaires. Diplomate américain dit qu'il y a certains pays parmi eux au Canada qui ont compétences nécessaires pour ça. Cependant, M. Nichols dit qu'il ne connaît qui pays qui pourrait diriger force ça réellement. Moi parler sous situation Haïti avec plusieurs dizaines de pays partenaires dans le monde là. Moi ouais gain en pile là-dedans qui supportait l'idée pour gagner une force multinationale souterrain. Motivation pour contribuer dans projet ça. Li commencé gayer tout partout, c'est ça monsieur Nichols déclaré dans micro journaliste. Dans un article qui sorti dans journal Miami Herald hier mercredi, assistant secrétaire d'État adjoint pour affaires hémisphériques l'a fait connaître, li même ak secrétaire d'État américain Anthony Blinken doit rendre dans pays Canada jeudi à même côté a prêté jusqu'à demain vendredi pour capable rencontrer premier ministre canadien Justin Trudeau ak ministre affaires étrangères Mélanie Joly. Haïti, c'est parmi sujet yo pral prioriser dans discussion yo. Brian Nichols dit Canada c'est un partenaire qui vraiment compétent dans plusieurs domaines avec une force l'armée solide et puis une force police nationale efficace, même si autorité canadienne yo réagit publiquement sous question sanctions qui prend compte gang ak moun k'ap financer yo. Mais sous ça qui gagne pour ak diriger une force en Haïti, yo poko jam di rien même si yo habitué bay support financier ak technique à police nationale là. Monsieur Nichols dit li confiant pour Jean échange yo pralé là, direction y a bay force multinationale là vinn pi clair et li croit d'ici commencement mois novembre k'ap vini là, toute bagaille ta doué fait. Diplomate américain fait connait li confiant y a joine non seulement votre résolution dans Conseil sécurité Nations Unies mais tout y a entendu yo sous mission ak direction force la pral pran. Pendant gros délégation ça dans Canada, gagnon l'autre délégation canadienne qui doit rendre dans Port-au-Prince semaine ça pour venir rencontrer ak acteurs haïtiens yo pour discuter sous crise là. N'a pas rappelé jusqu'à présent gagn divers pays qui pas voulu rentrer dans démarche pour voyer une force militaire en Haïti. C'est cas pour pays la Chine ak la Russie qui dit manquer détails clairs sous composition force ça mais tout yo doutait pour mission ça pas gaspiller l'argent sous prétexte yo pral mettre la paix. Selon sa Miami Herald rapporté, même si États-Unis gen espoir résolution li te proposé a pas adopté dans Conseil sécurité a, mais yo prévoit tout pour yo prendre des mesures en urgence pour voyer force multinationale là en Haïti sans autorisation officielle Nations Unies. Pendant ça,
gen discussion qui déjà commencé entre gros général dans l'armée américaine et canadienne sous causer insécurité en Haïti. Selon ça, l'armée américaine fait connait dans un communiqué, général en chef là Mark Milley parlé hier dans téléphone avec homologue li dans pays Canada. Cependant, pas gagné un détail qui baille sous conversation ça d'après ça nous lit dans un article qui paraît dans l'agence Reuters matin.